Johan Barre, producteur de lait sur le département des Vosges, et donc je suis porte-parole de la FNSEA. Donc si je suis élu eurodéputé, les premières choses que je mettrai en place, c'est vraiment redéfinir un cap pour l'agriculture européenne, pour redonner envie aux producteurs de produire et surtout que la souveraineté européenne soit assurée au niveau de l'alimentation. Donc je m'explique, aujourd'hui on importe énormément de poulet sur le continent européen, et comment on fait pour mettre en place des bonnes conditions pour que les producteurs aient envie d'en produire et surtout que les consommateurs aient confiance en ce qu'ils consomment par rapport à des standards européens, français en particularité. Et je voudrais aussi rappeler qu'on a besoin de produire de la protéine sur le continent européen. Donc tout ça pour assurer la production laitière, mais autre aussi, quand on produit des porcs, on a besoin de protéines. Et malheureusement, en Europe, pour l'instant, on n'y est pas, le compte n'y est pas. Il nous faut vraiment un cap meilleur pour l'agriculture européenne de demain. Jestem z Lubelszczyzny, regionu przywojennego, regionu graniczącego z Ukrainą. Bezpieczeństwo, granic terytorialne, żywnościowe to są priorytety. Do Polski nie może napływać nieznanej jakości zboże z Ukrainy. Musimy wiedzieć, co jemy i co wpuszczamy na teren Unii Europejskiej.